oui, je les vis, ces mots authentiques. Le vieil évangile, c'est ce que je crois. Le Fils de l'homme est révélé, le septième sceau est brisé, l'origine est vie. Ce monde authentique, l'origine est vie. C'est le monde authentique, le vieil évangile. C'est ce que je crois. Le Fils de l'homme est révélé. Le septième sceau est brisé. L'origine est vie. Ce monde authentique. Les attributs de Dieu manifestés à l'épouse du dernier âge. Nous avons la révélation. Grâce au message du prophète, et nous savons qui nous sommes, et savons notre mission. Dieu soit loué pour l'origine de vie, l'origine de vie, c'est mon authentique, le vieil évangile, c'est ce que je crois. Le Fils de l'homme est révélé, le septième sceau est brisé, l'origine est vie. Ce monde authentique, l'origine est vie. Ce monde authentique, le vieil évangile, c'est ce que je crois. Le Fils de l'homme est révélé, le septième sceau est brisé, l'origine est vie. Ce monde authentique, la parole faite chair, nous la sommes, a dit la Bible, et nos noms y sont écrits, rachetés et tous parfaits, nous sommes oints et inspirés. Par notre Dieu, l'origine est vie. Ce monde authentique, l'origine est vie. Ce monde authentique, le vieil évangile, c'est ça. Miacho Hosanna numéro 32. We to get again. We to get again. Just praising the Lord. We are together again. We are together again. In one accord. In one accord. Something good is going. Something good is in this soul. We are together again. We are together again. Just praising the Lord. Just praising the Lord. We are together again. We are together again. Just praising the Lord. We are together again.
Togeda eke. Priez pour moi afin que le Seigneur me guérisse totalement. Il a dit, priez sans cesse. Faites-le une fois encore pour moi, frère Frédéric. Maou nous so katato. Ewo amesike mo trona o. Mi dape no mi kafu mi doredi. De wo gani nye ike le poto de dende good ne mi adu moto de siade. Webena le kosira katamala eno iklemi. Le mi abe ike bobo mala mi ati mo akwe doje si bena wo asise se le mi aji. Gede we nyamu shodi ekbe pun ke kavu o meting pe o. Yo le fia no de kofia mia mia no seji ano kafu mie po lesi mie va bena no en ple mia tu motor de sia rendesia
apoto wa mo gbono no la ihia ni mi adu mo to de si ade ewo yehowa hwafia ikecho eyi endade eve le vieux odoma le subola odoma que la pa omna o ndie la mpo bena na didi de mi adoma ale bena wo dollar kakumala wa chone ne po yia eyi wa de zole mi adoma apoto ne gbogbo fo de mepo wa chuta len apoto ne gbogbo fo de mepo apoto dolele de bu mepo la apoto wa da for dumeni apoto no vigne frederic ike bia bu no dogbeda de ita de la yesu ku so mepo bena na didi fula e wo asi mapo mapo la ne kanti fula ale bena ebo la mala no atrosen e wa chonu chiko ku anao lesi me ma unya avano do dumla amusu kata no mopo pon bena apoto na wonane na yola Nenya la le dodom la nane no su aussi apoto amoye le mota gbono la mi gloria sume na prova do te pesa dede apoto kafuka fo la mi gloria sume wo dola ono diva yo ba subo premi esi mi bios wea apoto apeno le mia de la premia ola yesu christ pon comme yeto gbadale amen 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 okay mi ano chitre nu Mia Johnu, nebe Johnu voko, ano wofo jine mia kafu apoto fonuko. Hosanna numéro 42. Louez l'Éternel car il est bon. Alléluia. Amen. Écoute au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi, terre des hommes, et bétail des champs, oh loué le cas, il est bon. Écoutez encore. Et comme un agneau qui veille ici-bas, et versant son sang pour nous racheter, depuis ce jour-là, nous pouvons crier, oh bon, où est ton aiguillon? Combien il est bon, alléluia, combien il est bon, bon, oh Seigneur, alléluia, combien amen, bon, oh alléluia, oui je le loue, oh combien pour nous ce matin. Oh mon Seigneur, oh mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, alléluia. Je le louerai toujours. Et comme un agneau qui vient ici bas, et verse son sang pour nous racheter. Depuis ce jour-là, nous pouvons crier, oh mon, où est ton aiguillon? Oui, combien il est bon, il est bon, bien. Viens la titre nous, viens la titre nous. Alléluia. Combien il est bon, yes sir, combien hallelujah, bon, amen, bon, il est bon,
Dieu nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il se décida de nous amener à la vie. Oui, combien il est beau. Amen. Yo. Oh, combien il est beau. Il est beau, bien il est beau. Mon Seigneur, mon Dieu. J'adore mon Seigneur, mon Dieu, pour tout ce qu'il a et qu'il a fait pour moi. Je ne puis compter ses nombreux bienfaits. Oh, combien je veux l'adorer. Oui, combien.
Alléluia. Amen. Un vin vin. A fumé mieux, mieux, premier, mieux, quatre tout. D'ailleurs, on y t'y va falloir. Amen. Bien, voici qu'on arrive à le colendier. Amen. 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 Bien, c'est bon, c'est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Sa miséricorde durera toujours. Amen. Alléluia. Amen. Oh, louez l'Éternel car il est bon, sa miséricorde durera toujours. Qui dira les refaits de l'Éternel, qui publiera toutes ses lois. Oh, louez l'Éternel. Oh, louez l'Éternel. Oh, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Je loue les dieux de tout mon cœur. Je loue les dieux de tout mon cœur. Oh, je loue les toujours. Je loue les dieux. Je loue les dieux de tout mon cœur. Je loue les dieux de tout mon cœur. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Oh, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, au heure de la victoire, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, au heure de la victoire, sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, dans la vérité, que Jésus soit loué, dans la vérité. Amen, amen, amen. Ainsi que nous disons pour Jésus Christ pour nos corps. Amen. Voici nos dons au carrefour. Mawo to la wo supa wo ambe kokia wo chihabi ya ya na wo ko yesu ya ya na wo ko. Come on. Awi du ta wa kafira. Awi
dans la voix, tu m'envoies. Ami, quand bien moi, tu m'as pénaille, il en a aucun. Ami, coquet, alléluia, pénaille, il en a aucun. Jésus, il en a aucun. Voici nous tous. Woka fluo, ma wudola, wo subo, ameko kia wo, tiga pena. Kafu, black badado, wana ma uleji, bobo, alleluia. Alleluia, amen. Wonkonda, wala, alleluia. Osiya, wakafu. Oh, et si me wole, di bono mamla, yeyaga sese yesu, alleluia, 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 osia, domenyinu, sua sinye, alleluia. Oh, et si me wole, di bono mamla. Alléluia, alléluia. Na me pake, Yesu bolata. Ye na me pake, Yesu bolata. Ye na me pake, bolata, bolata. Ye me, oh ye bolata. Ye na me pake, pake, bolata, bolata. Me pake lo. Bulata, bulata, ye me, oh, bulata, ye na me kwake, Yesu bulata, oh, ye na me kwake,
Jésus. Oh, il n'a mis quoi que Boulata, Boulata, Yemi, Boabi. Alléluia. Mien no titre nous, ne mien homo n'y a glola. Mien no mien a fauchi. Amasia mené no titre nous. Le temps est déjà là. Les moqueurs nous entourent. Les guerres et bruits de guerre sont des signes. Ne prédit oh changer en un clair d'œil, changer en un clair d'œil. Si les vers se propagent, viens se propager. Jésus est sa lumière. Oh, oui, changer. Changer en un clin d'œil. Changer en un clin d'œil. J'irai vers ce beau palais. Oh, vers ce beau palais. Nations se gisent, Israël se révèle, l'Église cherche de lui. Alléluia. Les beaux allument ses flammes pour changer, changer un clin d'œil, changer un clin d'œil. J'irai vers ce beau palais, vers ce beau palais où il y a que la joie, il n'y a que la joie. Jésus est sa lumière. Jésus est revenu. Dans un profond mystère, le mort ne le voit pas, mais les pauvres tous les jours ont changé. Changer un clin d'œil, vers ce beau palais.
aller où il n'y a que la joie. Il n'y a que la joie. Jésus est sa lumière. Avec nos têtes inclinées, les yeux fermés. Nous prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, telle est notre chanson, telle est notre espérance. Alors que nous voulons que toute chose est arrivée à sa fin, nous sommes heureux de savoir que bientôt, les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, nous serons transformés. Et ensemble, nous irons à ta rencontre dans les airs. Seigneur, ce n'est pas une mythologie, mais c'est une réalité. Parce que tes promesses ne peuvent pas faillir. C'est toi qui nous as dit avant de quitter que tu t'en vas nous préparer une place. Quand tu auras fini, tu reviendras nous chercher afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Ce matin, avec révérence et respect, nous inclinons nos têtes, nos cœurs devant toi, le roi de gloire. Nous te bénissons, nous te louons pour la vie que tu nous as accordée au Père ce matin. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée de venir encore dans ta maison. Car il est écrit dans ta parole que je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Nous nous sommes déjà dans ta maison. C'est pourquoi nous voyons notre joie déborder. Seigneur, nous croyons que tu nous as rassemblés ce matin dans le but de nous bénir. Alors que, ô Dieu, nous t'avons offert notre adoration, qui sont les fruits de notre lèvre. Nous croyons que tu les as agréés. Bientôt, nous allons écouter ta parole. Que le Saint-Esprit soit de la partie. Et que, ô Dieu, les écluses des cieux puissent s'ouvrir ce matin. Et que tu fasses pleuvoir tes bénitions sur nous. Ne permets pas que quelqu'un puisse quitter ici ce matin sans rien recevoir de toi, par le contrôle de toute la réunion. Parle à chaque cœur. Et que ce matin encore, que les pécheurs soient sauvés, que les rétrogrades reviennent à la maison, que les saints soient édifiés et que les malades soient guéris de leur maladie. Ceux qui sont poursuivis par les esprits, que ta main puissante leur accorde la délivrance ce matin, Seigneur. Dieu de grâce, de miséricorde, c'est toi notre refuge, c'est toi notre appui, tu es notre forteresse. Nous nous sentons en sécurité en toi. Laisse à ce que chacun de tes enfants ce matin puisse se sentir en toi, Seigneur. Seigneur Dieu, nous savons que tu nous as donné le pouvoir sur tous les esprits. C'est pourquoi tous les esprits qui ne confessent pas ton nom, qui vont vouloir se lever contre la réunion ce matin, nous les mettons en déroute dans le nom de Jésus-Christ. Père Céleste,
Merci de nous avoir exaucés. Alors que je sors du chemin avec mon interprète, viens prendre la chair. Car nous conquis une seule parole de ta bouche ce matin changera beaucoup de choses au milieu de nous. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Saint-Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Je vous asseoir pour un instant. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous souhaite tous les bienvenus dans la maison du Seigneur. Je crois que vous êtes tous heureux. Comme ils sont dans la joie ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je l'ai souvent dit, que la joie c'est la part du croyant. Ça fait partie de la rédemption. C'est pourquoi le croyant n'a pas raison de ne pas être en joie. Que le nom ici en soit béni. Vous me dites, oh pasteur, tu ne sais pas ce que je traverse. Mais qu'est-ce que tu traverses qui est plus grand que les promesses de Dieu? Il faut avoir les yeux sur ces promesses. Tu verras que ces promesses sont plus grandes que tous les problèmes de la vie. Parce que quand tu vois les promesses de Dieu, tu vois Dieu. Parce que Dieu est la parole, ses promesses c'est lui-même. Que le nom ici en soit béni. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, s'il n'y a rien au monde qui soit plus grand que Dieu, alors tes problèmes ne sont pas plus grands que Dieu. Ça dépend de comment tu les conçois. Que le nom ici en soit béni. Si tu peux regarder les problèmes, tu peux regarder tes problèmes. Si tu peux regarder par la foi, la foi te permettra de ne pas seulement regarder les problèmes, mais de regarder au-delà des problèmes. Parce que derrière chaque problème, il y a une bénédiction. Que le nom ici en soit béni. Mais si tu ne vois que les problèmes, tu seras découragé. Et tu peux te dire, Oh, je ne peux rien faire. Ça n'est fini pour moi. Mais si tu peux regarder au-delà des problèmes, alléluia. Amen. Dans les problèmes, le tu auras toujours de l'espoir. Si Jésus allait regarder sur les problèmes qu'il a traversés, il sera le plus malheureux des hommes. Mais ces problèmes, ces yeux ne sont pas seulement arrêtés sur ces souffrances, mais il a regardé au-delà des souffrances. Il a regardé au-delà de la croix. Il a regardé au-delà de la tombe. Il a vu que après la croix, après la tombe, il y a une grande gloire qui l'attend. Que le nom ici en soit béni. C'est pourquoi il a accepté à passer par la croix. Si c'est qu'il n'avait pas accepté de passer par là, où serions-nous aujourd'hui? Que le nom ici en soit béni. Le monde entier ne veut pas le chanter. Le monde entier ne peut pas le louer. Remarquez que ce ne sont pas seulement les croyants qui louent le Seigneur. Il y a des gens aussi
qui ne sont pas des croyants, mais ils reconnaissent quand même ce que Jésus a fait. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ce matin je te dis de ne pas perdre l'espoir, de ne pas perdre ta joie. Peu importe ta situation, dis comme David, la joie du Seigneur c'est ma force. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi tu as raison d'être heureux ce matin. Parce que Dieu t'a donné des choses que l'argent ne peut pas acquérir. Si réellement tu crois à ton salut, tu sauras que le salut a de valeur plus que l'argent. La paix que le Seigneur donne, la boisson ne peut pas la procurer. Que le nom du Seigneur soit béni. Il n'y a rien au monde qui peut procurer la paix du Seigneur. Ce sont des choses qui ont de valeur plus que les choses de ce monde. La joie du croyant n'est pas une joie flattée. C'est une joie qui vient du ciel, qui crée autour de toi une atmosphère où tu te sens dans l'assurance. Et tu loues ton Seigneur de tout ton cœur, malgré tout ce qui arrive. Que le nom du Seigneur soit béni. Combien sont heureux ce matin? Non pas seulement que vous levez les mains, mais poussez un amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Satan n'aime pas nous voir être heureux. Mais ce matin, s'il allait se fâcher, qu'il n'a qu'à se fâcher. S'il veut qu'il puisse mourir même. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce matin, je suis très heureux d'être encore à son service et de savoir que Jésus a fait une œuvre pour moi. Et il m'a racheté par son sang. Et à cause de cette œuvre, il nous a envoyé un prophète en ce temps de la fin. Que son nom soit loué à jamais. Je crois qu'on m'a fait savoir que la sœur Florine est venue avec toute sa famille. Son mari, le frère James, avec sa fille et son fils, oui, sa fille plutôt, et le frère Ézéchiel. Nous allons les prier de se lever. Je crois que nous connaissons déjà la sœur Florine. Pour que nous puissions les connaître aussi. Que le Seigneur soit loué. Alors nous sommes très heureux de les voir ce matin. Que le Seigneur les bénisse richement. Ils sont les bienvenus au milieu des saints. Vous pouvez vous asseoir, mon frère. Ok, que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons vous rappeler la continuité des travaux. Vous voyez que les travaux avancent. Spécialement, nous sommes au niveau des fenêtres d'en haut. Nous sommes dit que si possible, que chacun puisse nous offrir une ou plusieurs fenêtres. Nous avons dit qu'une fenêtre coûte 145 500. Si le Seigneur t'a donné la possibilité de nous donner plus d'une,
Tu ne peux qu'être béni en le faisant. Ce qui ne peut pas donner une fenêtre peut s'associer avec d'autres pour que le plus tôt possible on puisse terminer avec les fenêtres. Parce que nous projetons dédicacer cette église dans cette année. Combien croit cela? Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que tout est possible à celui qui croit. Nous voulons vous rappeler les obsèques de du père de notre frère Pita, dont la veille aura lieu le 19 et l'enterrement le 20 de ce mois. Et priez beaucoup pour lui et la famille. C'est pas facile, mais je crois que Dieu sait comment consoler. Et la maman de notre soeur Pâques aussi sera enterrée le 11 mai. La veille aura lieu le 10. Et notre frère Amozouvi, le plus ancien de l'église de Douta, ou bien le plus vieux, je vous avais informé la fois passée qu'il est décédé. Et ses services funèbres auront lieu le 11 et le 12 mai. Priez beaucoup pour l'église là-bas aussi. Et je disais la fois dernière que je serai heureux si nous pouvons être tous mobilisés pour pouvoir soutenir nos frères de Douta. Que c'est notre église sœur. C'est notre missionnaire qui est là-bas. Et nous est convenable d'accomplir toute justice. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, il y a un remerciement ici de la part du pasteur Agbe Godfrey de l'église Petite Bethlehem de la Couvi. Nous sommes infiniment reconnaissants envers notre Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce et la consolation accordée à notre cœur. Nous remercions particulièrement le pasteur Dieudonné Contévi, ses diacres et l'église TPR tout entière pour votre collaboration, votre amour et l'esprit de fraternité que vous nous avez témoigné lors du rappel à Dieu de notre précieux frère Edmond. Nous vous remercions également pour vos nobles vertus et vos directions clairvoyantes. Car nombreux sont ceux qui ont inculqué aux gens la notion de fraternité. Mais lorsque le moment était venu de faire preuve de cette fraternité, ils ont été absents.
Mais vous, vous avez fait preuve et vous étiez là pour nous et avec nous du début jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse richement et qu'il vous rende au centuple tout ce que vous avez dépensé à notre faveur. Que Hébreux 6, 10 vous soit échu en partage. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse le pasteur Agbé et toute l'église de Lankouvi. Je crois que nous n'avons que faire notre devoir en étant à leur côté dans ce moment douloureux. Je crois que c'est ce que nous devons faire pour les uns les autres, n'est-ce pas? Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais sentir que vous êtes vivant. Parce que partout il y a la vie, il y a aussi le bruit. Il est vrai que le bruit n'est pas la vie. Mais le bruit est l'une des attributs de la vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je crois qu'il y a un frère au milieu de nous ce matin, le frère Daniel. S'il peut venir devant, on serait content. Il y a quoi? Donc le frère Daniel, c'est un frère de l'église de Lankouvi. Et je crois que beaucoup peut-être ne le connaissent pas. Mais s'il est au milieu de nous ce matin, c'est que son choix est tombé sur une sœur. Parce qu'il avait eu le problème d'Adam. Il s'est senti seul. Mais il s'est rappelé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et après ses prières, son choix est tombé sur une sœur. Si la sœur est là ce matin, qu'elle puisse sortir pour se mettre à ses côtés.
On dirait que c'est la sœur Essé. Mais ce n'était pas elle. C'est la sœur Esther. Donc je ne savais pas que quand le frère venait au milieu de nous avant, ses yeux ne font que regarder là-bas. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je voudrais vous les présenter ce matin et vous dire que partout vous les verrez, à part l'amour fraternel en tant que frère et soeur, ils se sont engagés pour se marier. Et si tout va bien, le 5 mai prochain, ils vont se marier. Voilà alors. Que le Seigneur les bénisse richement. Sœur Esther, je ne te vois pas sourire. Est-ce que tu souris quand même? Tu as dansé quand même, n'est-ce pas? Ok, c'est plus que sourire. Ok, vous pouvez regagner vos places. Que le nom du Seigneur soit béni. N'est-il pas merveilleux de voir les jeunes hommes en ce temps, à cet âge pervers, qui décide d'accomplir la volonté de Dieu? Nous devons louer le Seigneur pour leur vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce matin, je crois que nous allons aborder la parole. Après avoir ri, fait des annonces, maintenant c'est le temps pour la parole. Comme il aime la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin, parce que nous aimons la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la partie tangible de Dieu au milieu de son peuple. Parce que Dieu est esprit. On ne peut pas le toucher ni le voir. Mais il s'est caché dans sa parole. Et quand on a la parole, on a Dieu. Que le nom ici en soit béni. C'est pourquoi lorsqu'on aime la parole de Dieu, on aime Dieu. Que le nom ici en soit béni. Alors que nous sommes sur nos pieds pour honorer la lecture de la parole, nous lirons ce matin dans Matthieu chapitre 11, du verset 25 à 27. C'est le Seigneur qui parle ici. Il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.
Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Sur la base de cette lecture, nous allons parler ce matin de l'importance de la révélation dans la vie d'un croyant. L'importance de la révélation dans la vie d'un croyant. D'après les Écritures, le seul moyen de connaître Dieu, c'est pas la révélation. Car aucune personne par ses facultés intellectuelles ou ses habiletés ne peut pas connaître Dieu si ce n'est pas révélation. Car il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est venu sur la terre pour faire connaître Dieu aux hommes. Et le moyen par lequel il fait connaître Dieu aux hommes, c'est pas la révélation. Pour connaître qui est Dieu, il faut que le Fils Jésus-Christ te le révèle. C'est ce que Jésus a en tête de nous dire ici. Quand il louait le Père en disant « Seigneur du ciel et de la terre, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Il dit « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Mais celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, il faut que le Seigneur, par son amour, te révèle qui est le Père. C'est le seul moyen pour connaître Dieu. Par la voie de la révélation. Que le nom ici en soit béni. Que le nom ici en soit béni. Comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas connaître Dieu par ses facultés intellectuelles ou par ses habiletés humaines. Si nous sondons toute la Bible, nous verrons que nulle part, personne n'a connu Dieu autrement que par révélation. Parce que tous ceux qui ont véritablement servi Dieu dans la Bible, ce sont des gens à qui Dieu s'est révélé. Non pas dans une séminaire, non pas dans une école théologique, mais Dieu les a rencontrés d'une manière ou d'une autre, et Dieu s'est révélé à eux. Et Dieu ne change pas sa manière de faire. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que le nom ici soit béni. C'est pourquoi la révélation dans la vie d'un croyant a une grande importance.
Parce que sans la révélation, vous pouvez être dans l'église pendant des centaines d'années sans connaître le Dieu que vous servez. Un jour, Jésus pouvait dire à la femme samaritaine que vous, les Samaritains, vous servez ce que vous ne connaissez pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est vrai qu'ils prétendaient être des adorateurs de Dieu. Mais Jésus leur disait qu'ils servaient ce qu'ils ne connaissaient pas. C'est le cas pour la plupart des gens aujourd'hui. Ils servent Dieu alors qu'ils ne le connaissent pas. Mais vous et moi, Dieu s'est révélé à nous en ce temps de la fin. Que le nom ici en soit béni. C'est pourquoi notre adoration est différente des autres adorations. Parce que nous connaissons qui est Dieu. L'importance de la révélation dans la vie d'un croyant. Écoutez un peu ce que Frère Branham a dit dans la prédication La révélation de Jésus-Christ. Quand il est en train de montrer ce que c'est que la révélation, il est en train de donner l'explication, bien la signification du mot révélation. Il dit, oh, le mot grec traduit par révélation, c'est apocalypse. Qui a le sens de dévoiler. Ce dévoilement s'illustre parfaitement par l'exemple d'un sculpteur qui dévoile son œuvre statuaire. L'exposant ainsi au regard, c'est une action par laquelle ce qui était auparavant caché se trouve découvert, révélé. Et ce dévoilement n'est pas seulement la révélation de la personne de Jésus, mais c'est la révélation des œuvres qu'il allait accomplir au cours des 7 ans de l'Église qui était à venir. Donc le prophète de Dieu nous fait savoir ce matin que le mot révélation en grec c'est apocalypse, qui a le sens de dévoilement. Veut dire la chose est toujours là, mais c'est voilé. Ça peut être à côté de vous, mais à cause de ce voile, vous ne pouvez pas le voir. Jusqu'au jour où le voile était ôté, c'est alors que tu peux voir ce que c'est. C'est comme ça que Dieu a toujours agi dans tous les âges. Il s'est toujours caché et se révèle à celui qu'il veut. Et quand Dieu se révèle à toi, c'est l'expression de son amour pour toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Le dévoilement. Que le nom du Seigneur soit béni. Et le prophète l'a illustré à un sculpteur
qui dévoile son œuvre. Je crois que souvent les scripteurs, quand ils font leur œuvre, ils ont déjà l'image dans leur pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que le scripteur ne commence son œuvre, dans sa pensée, il a déjà son œuvre. Il a l'image exacte de ce qu'il voulait faire. C'est ce qui le pousse à travailler. Il peut prendre un bois ou une marbre, en train de sculpter d'après l'image qu'il a dans sa pensée. Mais quand il travaille, il ne veut pas que les gens sachent ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi il cache cette œuvre qu'il est en train de faire par un voile. Et de temps en temps, il prend un petit recul pour regarder son œuvre en la comparant avec l'image qu'il a en lui. C'est la même chose avec Dieu. Avant que Dieu ne commence toute chose, il les avait déjà dans sa pensée. Que le nom ici en soit béni. Que le nom ici en soit béni. Dieu n'est pas venu seulement pour commencer à créer un monde. Il n'est pas venu seulement pour commencer à créer les hommes. Avant la fondation du monde, alors qu'il n'y avait pas d'atomes ni molécules, il n'y avait pas de lumière, on ne peut pas parler d'un monde. Il n'y a qu'un grand vide à faire qu'on appelait l'éternité. Dans ce vie sans frère, il y avait un être qui est appelé éternel. En ce temps-là, il n'était même pas encore Dieu. Parce que Dieu veut dire objet d'adoration. Il n'y avait rien pour l'adorer. Il était seul qui vivait dans l'éternité. Mais en lui, il y avait des pensées de ce qu'il veut être, de ce qu'il veut faire. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi, pour nous les hommes, nous sommes surpris et nous appelons, nous disons, nous parlons de certaines choses en disant que c'est un hasard. Mais devant Dieu, il n'y a pas de surprise ni de hasard. Dieu, avant même de créer ce monde, il connaît déjà la fin de ce monde. Avant son commencement, il sait tout ce qui arrivera sur la terre. Que le nom s'en soit béni. C'est le seul moyen pour lui d'être Dieu. Les gens disent qu'il y a des choses que Dieu ne connaissait pas. Mais Jésus a dit, même les mouches, le nombre de fois où ils clignotent leurs yeux par jour, Dieu le savait. Toi, si on te demande maintenant de dire le nombre de cheveux sur sa tête, ta tête, tu ne peux pas le dire. Mais Jésus a dit que le Père Céleste connaît le nombre de cheveux qui sont sur nos têtes. Que le nom du Seigneur soit béni. Veut dire que dans sa préscience, il n'y a rien qu'il ne connaît pas.
Il ne fait que conduire toutes choses selon son plan. Mais si le temps n'est pas encore arrivé pour, pour dévoiler son œuvre, il met un voile là-dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous les hommes, nous ne savons pas ce qui va se passer. Mais Dieu lui le savait déjà. Parce qu'il est en train de travailler dans le secret pour accomplir son dessein. Que le nom ici en soit béni. Que le nom ici en soit béni. Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. Moïse pouvait croire que Dieu ne le connaissait pas. Jusqu'au jour où il l'a rencontré dans le buisson ardent. Et Dieu l'a appelé par son nom. Dieu connaît vos noms. Que le nom soit béni. Il n'y a rien que Dieu ne connaît pas. Depuis dans le ventre de votre mère, c'est lui qui a fait un programme sur votre vie. Donc tout ce que vous faites sur cette terre n'est pas un hasard dans le plan de Dieu. Parce que Dieu vous a connu au temps convenable, il s'est révélé à vous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans ce monde perverti, vous avez pris la décision de le suivre et de vivre pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la révélation est progressive. C'est comme une lampe. Quand vous allez à Sigamé la nuit et il n'y a pas de lumière, vous avez besoin d'une lampe pour éclairer votre chemin. Mais la lampe ne va pas éclairer jusqu'à Sigamé en même temps. Elle éclairera au fur et à mesure que vous avancez. C'est ce que la révélation fait. Au fur et à mesure que vous avancez avec Dieu, Dieu se révèle à vous progressivement. C'est pourquoi chaque jour, vous découvrez une partie de Dieu qui vous dans la joie et qui vous rassure davantage. Que le nom soit béni. Aussi longtemps que nous sommes dans la vie, tu ne peux pas arriver à un point où tu peux dire: je connais parfaitement Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On connaît Dieu progressivement. De la même manière que sa parole nous est révélée progressivement. Le même verset, le même chapitre que tu as lu aujourd'hui, demain quand tu le lis encore, tu découvres toujours des nouvelles choses. C'est Dieu qui se révèle à toi, mais d'une manière progressive. L'important de la révélation dans la vie d'un croyant. Que le nom ici soit béni. La Bible nous dit qu'un jour Jésus avait posé une question à ses disciples. Que le nom ici en soit béni. Il dit: étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, il demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Cette question est un peu bizarre. Ce sont les gens qui ont marché avec lui pendant longtemps. Et il a vécu parmi ce peuple pendant longtemps. Mais il pose la question aux disciples: que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme?
La Bible qui répondit. Les uns disent que tu es Jean Baptiste. Les autres Élie. Les autres Jérémie. Ou l'un des prophètes. Je crois que c'est facile. Quand vous demandez de parler des autres. On parle rapidement. Les disciples se sont précipités pour répondre à cette question. Mais après avoir répondu, le Seigneur s'est tourné vers eux et dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Autrement dit, vous qui marchez avec moi, vous devez savoir qui je suis. Il veut être sûr, il veut être sûr que ses disciples connaissent qui il est. Parce que la révélation de Dieu dans ta vie, c'est ça la clé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il avait demandé, et vous, qui dites-vous que je suis? Certainement qu'il y a eu un grand silence. Mais arrivé quelque part, la Bible dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Pierre parlait ainsi, le Seigneur a repris la parole en disant, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Autrement dit, ce que tu as dit là ne t'a pas été enseigné par un homme. Cela ne t'a pas été donné par ta capacité humaine. Tu l'as pas appris dans un séminaire ou dans une école théologique. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Donc la révélation est un canal par lequel Dieu se révèle à ses enfants. Il n'y a aucun moyen de connaître Dieu ni sa parole si ce n'est pas la révélation. Que le nom ici en soit béni. Le sang et la chair ne peuvent pas te révéler qui est Christ. Pour le connaître, il faut la révélation. Et parce que Pierre a eu cette révélation, le Seigneur a changé son nom. Alléluia. Amen. Lui qui s'appelait Simon avant, le Seigneur lui dit maintenant, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prouveront point contre elle. Et c'est la première fois que le nom de l'église a été mentionné depuis l'Ancien Testament jusqu'à ce jour. C'est la première fois que ce mot église a été mentionné, parce que l'église est un grand mystère.
caché dans le cœur de Dieu. Il avait l'image de ce qu'elle sera. Il connaissait qui vont composer cette église. Mais il a gardé secret. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parce que la mort a plusieurs portes. Il y a plusieurs portes pour entrer dans la mort. On peut entrer dans la mort par noyade, par accident, par la maladie, ou par une mort naturelle. Mais toutes ces portes ne peut pas prévaloir sur l'église parce qu'elle a la révélation. Elle a la révélation. Elle a la révélation que la mort est déjà vaincue. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi le vrai croyant n'a pas peur de la mort. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Autrement dit, l'église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Et il n'y a aucun moyen pour faire partie d'elle si ce n'est pas la révélation. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux être dans l'église pendant des années. Si Dieu ne t'accorde pas la révélation, s'il ne t'accorde pas la grâce de la révélation, tu ne peux jamais faire partie de cette église dont nous parlons ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux faire partie d'une église locale. Comme le sont maintenant ce matin. Mais ce matin, tel que nous sommes, parmi nous, il y a des gens qui ne font pas seulement partie de l'église locale, mais ils font partie du corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont assis dans les lieux célestes en Christ. Leur manière d'écouter la parole est différente de la manière dont les autres l'écoutent. Que le Seigneur soit béni. Parce qu'ils n'écoutent pas la parole dans le parvis extérieur, ni dans le lieu saint, mais ils sont dans le saint des saints. Et là-bas, la main ne vieillissait jamais. Elle est toujours fraîche. Et quand tu es dans la présence de Dieu, la parole de Dieu est toujours fraîche pour toi. Parce que quand tu l'écoutes, tu reçois la révélation de ce qu'elle voulait signifier. Si c'est à toi que Dieu parle, tu sais exactement que Dieu s'adresse à moi. Mais si tu n'as pas la révélation, si tu n'es pas dans la présence de Dieu, Dieu peut te parler, mais tu peux reporter ça sur un autre.
C'est pourquoi nous voyons des fois les frères et les sœurs. Quand le prédicateur prêche, au lieu de recevoir ce que la parole dit, au lieu de la recevoir, il ne faut que regarder quelqu'un d'autre. Ça, c'est le manque de la révélation. Parce que la parole de Dieu nous a fait savoir que la parole, c'est comme un miroir. Et on ne s'en va pas voir dans le miroir pour quelqu'un d'autre. Quand tu t'envoies devant le miroir, c'est pour te voir. Tu ne vas pas là-bas pour voir quelqu'un d'autre. C'est bon, quand tu es devant le miroir, au lieu de te voir, tu vois quelqu'un d'autre. Tu as vu un fantôme. Que le nom ici soit béni. Il faut la révélation. L'église est basée sur la révélation. Le croyant est basé sur la révélation. La révélation est très importante dans la vie de chaque croyant. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que sans la révélation, on ne peut pas connaître qui est Dieu. Et si tu ne connais pas qui est Dieu, tu ne peux pas connaître aussi qui est Satan. Et tu ne peux pas savoir qui tu es. Que le nom ici soit béni. Tu dois connaître ton identité. Je parle de ta vraie identité. Mais quand tu n'as pas la révélation, tu continueras toujours pas à croire que tu es comme les autres sur la terre. Tu ne sauras pas que tu es différent. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi la révélation a une grande importance dans la vie du croyant. Que le nom du Seigneur soit béni. La révélation te révèle qui est Dieu que tu sers. Et qui tu es. Et qui est Satan? Et tu sauras que tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est ça Satan. Tout ce qui est la parole, c'est Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu sauras que tu es dans le monde. Mais tu n'es pas du monde. Mais tu es un fils. Tu es une fille de Dieu. Venant dans ce monde pour une mission spéciale. Comme Jésus le disait, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Il connaissait sa mission. La révélation de Dieu pour toi fait que tu connais ta mission sur terre. Que le nom ici soit béni. Que le nom ici soit béni. La révélation te permettra de reconnaître ce que c'est que la vraie Église. Tu dois connaître la vraie Église de la fausse Église. Parce qu'il y a deux sortes d'églises sur la terre aujourd'hui. Les deux se réclament étant l'épouse de Christ. Alors que l'une est l'époux de Christ et l'autre est l'époux de Satan. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni.
Mais sans révélation, on ne peut pas distinguer ces deux églises. Sans révélation, on ne peut pas reconnaître l'Esprit de Christ et l'Esprit d'Antichrist. Que le nom du Seigneur soit béni. On croira, on prendra l'Esprit d'Antichrist à la place de l'Esprit de Christ. Parce que tu n'as pas la révélation. La révélation a une grande importance dans la vie du croyant. Écoutez un peu ce que le prophète de Dieu dit. Toujours dans la révélation de Jésus, dans la révélation de Jésus-Christ, dans l'exposé des âges, il dit, souvenez-vous maintenant de ceci. Christ dans la véritable église, voilà la suite du livre des Actes. Mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église pour la souiller, la rendre tiède, formaliste et sans puissance. Remarquez que la révélation te donne la grâce de savoir que si Christ est dans l'église, c'est la continuité du livre des Actes. Que le nom de Dieu soit béni. Donc ce que Christ a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui. Et s'il est dans l'église, c'est pour continuer les mêmes œuvres. Que le nom du Seigneur soit béni. Et le prophète nous fait savoir que le livre de l'Apocalypse nous montre que l'Antichrist allait s'introduire dans l'église pour la souiller, la rendre tiède, formaliste et sans puissance. Parce que le but de Satan, c'est de conduire les gens dans ce qu'on appelle l'apostasie. Les gens auront la parole de la piété, mais régneront ce qui fait la force. Que le nom de Dieu soit béni. Ils sont des croyants, mais froids. Indifférent, formaliste, sans puissance. C'est la sorte de l'église que Satan voulait avoir. Une église souillée. Où les gens dans l'église n'ont pas la révélation de mener une vie sanctifiée. Les gens qui ont changé la grâce de Dieu en disgrâce. Mais quand tu as la révélation, elle te permet de voir les deux églises. Que le nom du Seigneur soit béni. De reconnaître Satan en œuvre. Nous allons continuer un peu la citation. Frère Brad dit, il dévoile Satan en révélant ses œuvres. Il dévoile Satan en révélant ses œuvres, entre parenthèses, tentative de destruction du peuple de Dieu et discrédit jeté sur la parole de Dieu.
tentative de destruction du peuple de Dieu et discrédit jeté sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Sa cançon, sa mission, c'est de détruire le peuple de Dieu, de jeter la discrédit sur la parole. Pourquoi voulais-tu le faire? Pour que les gens n'ont plus la confiance dans la parole de Dieu. Mais vous et moi, nous sommes suscités pour prouver le contraire. Dans notre vie de chaque jour, nous devons montrer aux gens que Jésus vit encore aujourd'hui. Qui n'est pas retenu dans la tombe. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est notre mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, nous avons une mission noble. Mais qui demande beaucoup de sacrifices. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons continuer un peu. Il dit jusqu'au moment même où il sera jeté dans le temps de feu. Satan s'oppose à cela. Il s'oppose à la révélation. Il a cela en horreur. Maintenant, écoutez bien ce que le prophète de Dieu dit. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable Église, de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente et de ce qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres, alors elle sera une armée invincible. Si les gens reçoivent la révélation de la véritable Église, que le nom du Seigneur soit béni, de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle peut accomplir de plus grands œuvres, alors cette Église deviendra une armée invincible. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, si l'Église est dans un état comme vaincu, c'est parce que la révélation manque. Que le nom du Seigneur soit béni. Les gens parlent leur pensée intellectuelle, ont compris que le message est vrai. Mais il n'est pas encore descendu au fond de leur cœur pour produire la révélation. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que si la parole descend dans ton cœur, quand l'âge retourne à sa position appropriée, la gloire de Shekinah doit le suivre. Que le nom du Seigneur soit béni. Sa place, la place de la parole en nous, ce n'est pas ici, mais c'est ici. Et quand la parole descend ici, la gloire de Shekinah la suit. Et quand la gloire de Shekinah vient sur la parole, elle la vivifie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que la parole devient vie en toi, elle et ta vie ancienne ne peut pas cohabiter ensemble. Ta vie ancienne est obligée de mourir.
Et tu seras capable de dire comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous ayons la révélation de ce que c'est que la véritable église. De ce qu'elle représente. Et qu'elle peut accomplir des grands œuvres. Jésus a dit, les œuvres que je fais, celui qui croit en moi, les fera aussi. Il en fera davantage. Parce que en ce temps-là, il était seul. Mais après sa mort et sa résurrection, il est devenu nombreux dans le monde. Et partout dans le monde, ses œuvres doivent être faites. Mais sans la révélation, tu ne peux pas. C'est pourquoi la révélation est très importante dans la vie du croyant. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. La révélation, elle te donne le pouvoir. C'est la lumière qui t'éclaire. Alléluia. Amen. La révélation fait briller ton visage. La révélation fait que les démons ont peur de toi. Vous savez que les démons ont peur des hommes parce qu'ils les connaissent. C'est comme ces démons qui ont maltraité les sept fils de Sévas. Ces démons disent, nous connaissons qui est Jésus. Et nous savons ce qui est Paul. Et vous, qui êtes-vous? Pourquoi? Parce que Paul a la révélation. Que le nom du Seigneur soit béni. Paul a Dieu en lui. La parole de son temps s'est fait chair en lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Et les démons savaient que Paul, c'est un représentant céleste. Les démons doivent savoir que Dieu représente le ciel. Et quand tu es quelque part, ils doivent se taire. Quand nous voyons les croyants, les soi-disant croyants, trembler devant les démons aujourd'hui, devant les sorciers, devant les magiciens, devant les enchanteurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Ces gens-là, les sorciers, les magiciens, les enchanteurs doivent venir s'agenouiller devant nous. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais pourquoi tu trembles devant eux? C'est la manque de révélation. Mais ce matin, je prie que Dieu t'accorde la révélation. Alléluia. Amen. Parce que si tu as la révélation, tu sais que tu as le pouvoir. Tu as l'autorité. Le petit policier qui se tient au milieu de la route avec son sifflet et son bâton et qui fait prime devant un gros camion
Ce n'est pas sa puissance qui arrête le camion. Mais c'est l'autorité qui est derrière lui. Le chauffeur, en le voyant, il voit l'autorité qui est derrière. Et il sait que ne pas obéir ce policier, ça serait grave pour lui. C'est la même chose avec le croyant. Qui a la révélation? Qu'il est né de nouveau, il a le Saint-Esprit. La nouvelle naissance est notre insigne que nous portons. Quand tu parles, ce n'est pas à toi que le démon va respecter, mais l'autorité qui est derrière toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Même policier qui ne connaît pas ce qu'il est, il va commencer par trembler. Il ne va pas agir avec assurance. Il a peur que le camion va le tuer. Mais ce policier qui connaît qui il était agit avec autorité. Parce qu'il sait qu'il est le maître de la route. Il peut se tenir là-bas devant le gros camion. Prie. La manière dont le chauffeur va freiner, ce n'est pas son problème. Mon frère, ma soeur, le temps est venu, le moment est arrivé où les fils et les filles de Dieu doivent entrer dans l'autorité de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais sans la révélation, vous ne pouvez pas le faire. Frère Brand dit, on n'insistera jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation par l'esprit. La révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale. Peut-être même plus que vous le pensez. Je parle là de ce livre de l'Apocalypse et de vous. Je parle de toute révélation. C'est une chose de la plus haute importance pour l'Église. Mon frère, s'il y a une chose pour laquelle nous devons prier aujourd'hui, plus que l'argent, plus que nos maisons, plus que nos travaux, c'est la révélation. On doit prier pour la révélation plus que le choix de nos conjoints. Parce que sans la révélation, tu tomberas sur une femme qui sera pour toi un carré dentaire. Tu tomberas sur un frère, un homme qui n'est pas délivré des esprits ancestraux. Et le foyer deviendra de la merde. Vous savez, on dit que le mariage est censure à ce que la mort censure. Et quand tu épousais la fille de Satan, ton beau-père sera Satan. Tu es obligé de lui donner tout ce qu'il te demande. Ce dont je parle ce matin, je ne veux pas dire la fille
le père ou la mère de la fille, mais spirituellement, c'est le fils de Satan. Et un faux choix peut ruiner sa vie. C'est pourquoi certains croyants aujourd'hui marchent coupés couvrants. S'ils veulent s'élever un peu dans le Seigneur, la femme est là-bas, ou le mari est là-bas, en train de le tirer par le pied. Où est-ce que tu vas? Descends. Toi et moi, on ne va pas dans l'enlèvement. C'est pourquoi il faut la révélation de qui tu vas épouser. Un jeune homme sans révélation ne s'attend pas à Dieu pour son choix. Il ne fait que regarder le visage des sœurs pour voir leur beauté. Jeune homme, c'est dangereux. Hein? Épouser une femme qui ne croit pas ce que tu, la même chose que toi, c'est très dangereux. Il y a des jeunes filles aussi. Au lieu de la révélation pour prier, il ne faut que regarder sur les frères. Oh, est-ce qu'il a une bonne position? Il a une maison. Et tu peux voir. Est-ce que, combien il a à la banque? Et quand un frère, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, vient vers elle, va vers elle plutôt, va il le refoule. Des fois, il y a des sœurs qui viennent se lamenter auprès de moi. Oh, pasteur, comment un tel frère peut venir à moi? Mais tout sauf ça. Oh, nous, parce que tu n'as pas de révélation, tu ne peux pas regarder loin. Tu ne sais pas ce que ce frère va devenir demain. C'est pourquoi il faut la révélation. Que le nom ici en soit béni. La révélation dans tous les domaines. Parce qu'un homme privé de la révélation ne peut jamais comprendre sa femme. Une femme qui n'a pas de révélation ne peut jamais supporter son mari. La vie maritale, ce n'est pas toujours de petits laits, hein, comme les gens le pensaient. Je crois que je vais me précipiter parce que j'ai une autre réunion cet après-midi. Frère dit, c'est la révélation de Dieu qui vous donne autorité sur le diable. La révélation de Dieu vous donne autorité sur le diable. Parce que beaucoup n'ont pas la révélation. C'est pourquoi, quand que le Seigneur les a délivrés il y a 2024 ans, mais ils sont là toujours à pleurer pour la même chose.
Seigneur, délivre-moi là. Apporte-toi de gagner là. Alors que Dieu les a déjà délivrés. Oh Seigneur, change ma situation. Oh, apporte-toi. Et ils sont là sur place. Attendant que Dieu descende pour faire quelque chose pour eux. Alors que c'est déjà changé. C'est à eux de se lever. Et de s'en préparer. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. La révélation te permet d'avoir autorité sur le diable. Écoutez bien, le prophète n'a pas dit que tu auras autorité sur un démon, mais le diable lui-même. Parce que quand on parle des démons, les gens disent amen. Quand on dit Satan, les gens disent Satan lui-même. En fait, la révélation te permettra de savoir que Satan a été dépouillé de son pouvoir sur le bois du calvaire. Il est comme un lion à qui on a arraché les dents et les griffes. Mais qui est là à rugir? Et quand tu écoutes son rugissement, la peur te tue. Mais la révélation t'amènera vers ce lion et va ouvrir sa bouche et dit vois, il n'y a rien là-bas. Regarde ses pattes, il n'y a rien là-bas. Et tu dis, mais c'est ce qui m'a fait peur pendant longtemps. Et depuis ce jour-là, quand il rugit, les gens courent. Les gens courent. Toi, tu vas rire. Parce que tu sais qu'il n'a plus de pouvoir. Satan n'a plus de pouvoir. Pour vous qui avez la révélation, Satan n'a plus de pouvoir sur votre vie. Il ne peut plus vous contrôler. Parce que la révélation vous donne l'autorité sur le diable. Il faut que nous nous arrêtons quelque part. Si nous pouvons prêcher ce message jusqu'à 3 ou 4 jours. Comment Enoch a su qui sera enlevé? Parce que la Bible dit qu'avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il fut agréable à Dieu. Comment il a su? C'est pas révélation. C'est pourquoi Frère Brun a dit, ceux qui seront enlevés, le moment venu, auront la révélation de l'enlèvement. Et que l'épouse doit attendre cette révélation. De même que Enoch a reçu le témoignage. Ceux qui iront dans l'enlèvement auront la révélation. Qui sont agréables à Dieu. Comment Élie a su qu'il devait traverser le Jourdain pour partir? C'est pas révélation. Si nous voulons parler sur la révélation, on n'allait pas terminer aujourd'hui. Mais mon frère, ma soeur, tout ce que je voudrais te dire ce matin,
Au lieu de prendre ton temps pour prier pour beaucoup de choses inutiles, Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, donne-moi un bon poste. Seigneur, donne-moi ceci. Il faut prendre plus de temps pour prier pour la révélation. Seigneur, donne-moi la révélation. Parce qu'une fois que tu as la révélation, les choses invisibles seront visibles devant toi. C'est tout comme Élisée et son serviteur qui sont entourés par l'armée syrienne. Quand le serviteur s'est réveillé, il a vu l'armée syrienne sur la montagne autour d'eux. Il a commencé par crier. Il s'est précipité pour aller réveiller son maître. Il dit, nous sommes cuits. Mais au lieu que Élisée puisse s'affoler, il lui a dit, ne crains pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que cette armée syrienne. Mais ça n'arrive pas à calmer le serviteur. Malgré que son maître lui a dit, les gens qui sont avec eux sont nombreux. Élisée était obligé de prier le Seigneur. Ouvre ses yeux. C'est ce que la révélation fait à un croyant. Elle ouvre ses yeux. Et quand Géasi a regardé autour de lui, il a vu une multitude d'armées plus nombreuses, avec des armes plus sophistiquées autour d'eux. Et cela lui a donné la foi. La révélation vous donne la foi. Frère, on ne peut pas avoir la foi si ce n'est pas révélation. Parce que la foi, c'est un domaine divin. Que le Noïsien soit béni. C'est un don de Dieu. Si tu n'es pas né pour avoir la foi, tu ne peux jamais avoir la foi. Que le Noïsien soit béni. L'important de la révélation dans la vie d'un croyant. Que le Seigneur vous bénisse ce matin avec nos têtes inclinées, les yeux fermés. Dieu nous a parlé. Nous devons lui parler au retour. C'est pourquoi, alors que nous sommes dans la méditation, en écoutant ce doux mélodie venant de la partie technique, de la partie musicale, chacun sera en train de méditer. Et la question se posait ce matin, est-ce que j'ai la révélation dans ma vie? Ou je marche toujours dans l'ignorance? Dieu s'est plaint en disant que son peuple meurt par manque de connaissances. Autrement dit, manque de révélation. Quand on n'a pas la révélation, on vit dans l'ignorance. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons méditer ce matin. Non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour nous-mêmes. Et nous posons la question si nous avons la révélation. Oh, 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 oh
Parler à son Dieu ce matin. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Mais s'attend à ce que tu lui parles de tout ton cœur. Et je crois ce matin que la plus grande chose que l'on peut demander, c'est la révélation. Prions le Seigneur.
Jésus, dont la grâce abonde, de son amour, tu verras la douceur. Si tu savais, si tu savais, combien les plaisirs du monde ont déchiré et brisé bien des cœurs. Tu viendrais, tu viendras à Jésus dans la grâce. Jésus.
tête inclinée, les yeux fermés. Là, c'est le mien, pas tard, le ton qu'on a mis là. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu Christ, n'est pas amère les morts au Christ ou pas au. Il voudrait le faire ce matin. Eh, ouais, je vais avoir une décès là. Nous allons lui demander de se lever. Il y a bien, tu vois, si bien notre titre nous. Pendant que nous prions pour lui. Là, c'est le mien, nous pouvons nous rappeler. Quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur. Pour que Jésus soit son Seigneur, son Sauveur personnel. Qu'il se lève pendant que nous prions pour lui. S'il parle à votre cœur, ne l'enduisez pas. Car la Bible dit, aujourd'hui, quand vous écoutez sa voix, n'enduisez pas votre cœur. Et Jésus a dit, quiconque rend moi devant les hommes, quiconque rend de moi devant les hommes, je rends de lui devant mon Père et les saints anges. S'il a parlé à votre cœur, ne l'endurcissez pas. Le meilleur, le meilleur, le meilleur. Son chemin est le meilleur. La paix règne toujours. S'il n'y a personne pour l'accepter ce matin, son chemin. Y a-t-il quelqu'un qui veut qu'on prie pour lui? Qui se lève pendant que nous prions. Le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur. Son chemin est le meilleur. La paix y règne toujours. Dieu, réellement ton chemin est le meilleur. La paix règne là-dessus. Ce matin, nous bénissons, nous louons ton Saint-Nom. De la manière dont tu nous as conduits. Depuis le début de cette réunion jusqu'à cette heure-ci, ton esprit nous a parlé ce matin sur l'importance de la révélation dans nos vies. Car si nous avons la révélation, les portes du séjour de la mort ne pourront pas pleuvoir sur nous, Seigneur. Dieu de garde de miséricorde, sans la révélation, nous serons des croyants aveugles. Mais tu as voulu que nous puissions voir. C'est pourquoi tu nous as envoyé ce message pour guérir nos yeux, Seigneur. Je prie ce matin que cette parole qui est sortie soit accompagnée de la puissance du Saint-Esprit, qu'elle soit gravée sur les tables des cœurs de tes enfants,
Toi qui as dit dans ta parole, ma parole ne reviendra pas à moi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Que ton Esprit Saint puisse veiller ce matin afin que le but pour lequel la parole est sortie soit accompli dans la vie de chacun de nous. Laisse dans ce que par la révélation les frères et les sœurs qui sont dominés par les mauvais esprits puissent dire à partir de cette heure-ci qu'ils sont plus que vainqueurs, Seigneur. Que par la révélation, les malades parmi nous puissent témoigner leur guérison maintenant, Seigneur. Et que ceux qui sont liés, que les liens soient brisés au nom du Saint-Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je crois que ta présence est ici. Il est écrit dans ta parole que le Fils de Dieu est révélé pour que les œuvres de Satan soient détruites. C'est pourquoi, ô Dieu, en tant que ton serviteur, en vertu de l'autorité que tu m'as donnée, je déclare ce midi que toutes les œuvres de Satan dans la vie de tes enfants soient détruites. Dans le nom de Saint-Jésus-Christ, et que tes enfants puissent partir au Père étant complètement libéré pour que ton nom soit glorifié. Seigneur Dieu, les frères et les sœurs qui sont levés sur leurs pieds, témoignant qu'ils ont des requêtes, que la requête de chacun soit exaucée maintenant et que, oh Dieu, ils puissent revenir dans les prochains jours, témoignant que depuis ce jour qu'on a prié, leur problème a trouvé de solution. Je crois que, oh Père, tu l'as déjà fait. Je prie, oh Dieu, que tes anges puissent être à côté de tes enfants pour confirmer tes promesses dans leur vie, pour que ton nom soit glorifié. Père Céleste, alors que nous acheminons vers la fin de cette réunion, je prie que ton Esprit Saint puisse rester avec chacun de nous et que cette semaine que nous venons de passer, nous venons de terminer, celle qui a commencé, de même que tu étais avec nous tout au long de la semaine passée, sois avec nous encore dans cette nouvelle semaine. Conduis nos pas dans nos allers-retours, bénis nos activités, et que partout nous passerons, que toi-même tu puisses nous dévancer et que toutes les portes que l'ennemi dressera devant nous, nous puissions les posséder pour la gloire de ton nom, Seigneur. Dieu de grâce de miséricorde, bénis au Père la semaine pour chacun de nous, et que ta parole qui est sortie ce matin ne soit pas oubliée, que le Saint-Esprit, l'enseignant intérieur, puisse continuer par l'enseigner à tes enfants jusqu'à ce que chacun ne parvienne à la révélation pour la gloire de ton nom. Que tes anges soient envoyés devant nous, conduis chacun de nous chez lui dans la paix, dans la sécurité. Merci de l'avoir fait alors que nous nous remettons à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Nous allons nous retrouver le mercredi prochain de 17h30 à 20h pour la prière. Et vous êtes tous invités avec vos requêtes. Et nous prierons pour vous.
jusqu'à ce que nous nous revoyons. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Passez une bonne semaine dans la paix du Seigneur. Pendant que nous sommes sur nos pieds, nous allons chanter et partir. Mauna no plimi mia gape e yantona. Pour moi je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Et moi je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. C'est lui l'adorable, c'est lui notre idole, c'est lui que nous glorifions ce soir. Il est digne de louange. Et moi, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Quand il marche là-bas, là-bas en Galilée, il priait sans cesse, vraiment il priait sans cesse, bien qu'il ait été la parole faite chair. À combien plus forte raison, moi, un homme né dans le péché, je voudrais prier comme Jésus. Je voudrais prier comme Jésus toute ma vie. Oh, moi je voudrais prier comme Jésus. Je voudrais prier comme Jésus toute ma vie. Oh, oh. Quand il marche à là-bas, là-bas en Galilée, il s'humilia, vraiment il s'humilia. Il est allé jusqu'à la baie, les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison, moi, un homme né dans le péché, je voudrais m'humilier comme Jésus. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais m'humilier comme Jésus. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Toute ma vie, il s'est tellement humilié que le Père l'a souverainement élevé. Quand il marcha là-bas au Mont-Royal, là-bas en Galilée, il dit aux pharisiens, aux sadducéens, aux hérodiens, qui d'entre vous me convaincra de pécher? Une seule parole que je n'ai pas accomplie, je voudrais parler comme Jésus. Je voudrais parler comme Jésus. Je voudrais parler comme Jésus. Jésus. Je voudrais parler comme Jésus toute ma vie.